c'est l'expression de l'ADN de Renault Sport. Toute l'équipe a beaucoup travaillé sur justement le côté compétition client en construisant une voiture qui soit simple à utiliser, facile à entretenir, qui coûte beaucoup moins cher que précédemment à exploiter. Donc la Clio R3T, sa principale caractéristique, c'est un moteur 1600 turbo. Donc c'est ce qui est la caractéristique de l'ancienne Clio, puisque l'ancienne Clio était un 2 litres atmosphérique. Donc le R3T, T pour turbo. Ensuite, donc, c'est une deux roues motrices qui fait, on va dire, environ 240 chevaux avec l'essence compétition, 480 Nm de couple, avec une plage d'utilisation assez large. Donc c'est un véhicule qui sera amené à être devant dans les catégories en deux roues motrices. Les sensations sont bonnes, la voiture est bien née, ça c'est certitude. On retrouve vraiment, vraiment tout ce qu'il faut pour sentir à l'aise dans une voiture de course. Bon feeling, plutôt facile à conduire, j'ai trouvé, plutôt agile et plutôt facile. 100 mètres, que 120 moins. It's an easy car to jump to and to get the good feeling immediately and that's a really powerful engine. And yeah, it's all baggage, it's good.